Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Monster Hunter World sur PS4. On va tout de suite continuer en faisant la quête d'un Anjanath envahissant. Est-ce qu'il est un petit peu compliqué, mais c'est bien grave. Allez, c'est parti. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, parce que moi oui. Et l'Anjanath, on avait déjà essayé de le tuer, on l'avait presque abattu, mais il nous a tué avant. Tant pis. On va voir ce que ça donne. Avant tout, on n'oublie pas aussi de prendre... Surprise du chef. Ouais, la surprise du chef. Bon bah c'est bien, on va pouvoir y aller. Je regarde un peu la map. J'ai besoin de champi par Lizzie, donc en même temps on va les prendre. Si on passe devant, on va pas dire non. Le miel aussi, on va pas dire non. Oui, par ailleurs. Requête, c'est gisement minier, champignons. Ok. Champignons, ça va être bon. Gisement minier, faut juste que je les prenne en passant. Ça, c'est l'Anjanath. Les traces de l'Anjanath sont pas loin. Un gisement minier ici. Des champis paralysés par là. Non, pas des couteaux paralysants. Désactiver. Pas un canon, c'est bon. Vraiment, c'est ça. Bombe tranquillisante. Est-ce qu'il y a de l'herbe du sommeil ici? Non, il n'y a pas l'air. C'est l'onculite. Bon, y'en a pas. Pas grave. Bon, tant pis. On va aller chercher un gisement qui serait pas loin. On espère en tomber sur l'Anjanath. Ah oui, par ailleurs.
Ah non, il sent plus, je suis tombé sur lui. Il attendait pas du tout. Tant mieux. Hein. Oh! Du passage. Encore un. C'est lui que j'ai pas fini en fait. Plus de tomber. Je suis tombé. Hein. Voilà comme ça. Et on va finir ton minerai. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Deux champignons. Pas ça. Un champignon ici. Oh, ça réparait vite les champignons. Non, non, bah apparemment, c'est toujours pas réapparu. Ah là là. C'est bon, ils sont apparus. Deux champs paralysés. Maintenant, on va suivre les traces. Du mucus dans Janak. Il est donc par là-bas. Ah, d'être pas loin. Le petit T-Rex, on va dire. Aïe, c'est mal. Allez, on y est.
Il est chaud, hein. Ça va, il est déjà parti. Une fois, on peut le faire partir une deuxième. Un salopard. Puis quand il crache du feu, lui. J'ai oublié ça. Merde. Pardon. Putain, j'étais pas dessus. Allez, va à ton île, mon grand. Allez. Allez, viens. Allez, descends. Descends, descends. Allez. Il veut pas, hein. Je t'ai dit, descends. Tant pis. Voilà, c'est bon.
déjà. Solide le beau corps. Solide, se dit le bougre. Aïe. Merde. Allez, putain, quoi. Je me suis fait one shot. Il m'a mis midlife, le connard. Il m'a mis midlife. Enfin... Ça va, il est juste à côté. Mais non, mais vas-y, putain! C'est quoi ces dégâts? C'est abusé! Sa queue. Ah, il est bientôt mort là. What? On a bientôt. Je vais essayer de le capturer. Il va aller jusque son nid. Allez, cette fois-ci on va la voir. Ah tiens, et écaille. Qu'est-ce que c'est?
Ah, c'est le Rathalos. Oh non, Rathalos est là-bas. Oh non, mais c'est pas vrai. Casse-toi, s'il te plaît. Rathalos, tu veux bouger, s'il te plaît. J'ai pas envie de me fight avec toi. Merci. J'ai pas réussi à l'endormir, tant pis, mais il va mourir. Hein. Ça n'a pas marché. Reviens ici. Ouais, là, ça va être utile. Non, 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 non. C'est chaud. Hein. Allez, tombe, tombe, tombe. Ah, c'est bon. Enfin. J'y croyais plus.
Jumpo. J'étais jamais venu ici. Voilà. On l'a enfin battu, l'Orana. Là, la prochaine quête va être intéressante. Vous verrez pourquoi. Des canons, à quoi vont-ils servir? Approchez tous. Nos préparatifs sont terminés. La cinquième flotte a beau n'être arrivée que récemment. Elle a déjà su m'impressionner en se chargeant de l'Anjanas. Cela fait un obstacle de moins entre nous et la capture du Zora Magdaros. Quand le Zora atteindra-t-il le Grand Ravin? Au point du jour. Très bien. Dans ce cas, passons notre plan en revue une dernière fois. Nos chasseurs se retrouveront sur place. Dès que nous avons placé deux barrages sur le chemin de la cité. Notre objectif est de l'arrêter au premier barrage, en l'affaiblissant. Mais le Zora cherchera sûrement à nous échapper. S'il y parvient, nous essaierons alors de l'affaiblir davantage. N'hésitez pas à le pilonner autant que possible avec les canons et les balistes. Ils sont là pour ça. C'est compris. Le jeu, il va se finir en Shadow of Colossus, quoi. Vérifiez le matériel une dernière fois avant que nous passions à l'action. À vos ordres. Intendant, faites l'inventaire de nos réserves. Chercheurs, gagnez le Grand Ravin avec votre escorte dès que vous... Nous ne pourrons pas rapporter notre proie à la base. Alors emportez de quoi procéder à vos analyses sur place. Aucun souci, commandant. Tout se passera comme... Soyez attentifs. Que l'étoile de Saphir soit avec vous. Disposez. Ok. Waouh, le grand moment est enfin arrivé. Oh, je ne tiens plus en place. Et toi? Bon, le grand moment, voilà quoi. C'est le premier dragon ancien pour affronter. On va certainement tous les faire, hein. Ok. Y'a toujours pas d'urgent. Et spécial, ouais, il faut que j'en tue encore 3. Puis des wyvernes volantes, etc. Ok, le trèfle coffre. J'ai trop choc. Ok. On va aller voir l'assistant.
Non, pas avant de, avant de le voir l'assistante, on va aller voir la forge. La forge, la forge. Il est temps de se retrousser les manches. Je crois que j'ai pas d'autre arme, ouais, ça c'est normal. Armure, os, il y a celle d'Orjana. Le pouvoir de l'Orjana. Ouais. Va falloir que je refasse de l'Orjana. Pas qu'un peu. Brigade, c'est plus tard ça. Améliorer du coup. Non, là c'est bon, j'ai pas besoin d'améliorer ça. Ah, il faut des eaux de wyvern. Il me faut juste un croc. Chaud, chaud, chaud. Ok. On va prendre un plat, puis on va y aller pour la quête. Tenter l'impossible. On va le tenter l'impossible. Le départ. Bougez-vous. Hein, continuez. Tout est prêt? On a dû improviser. Tout est parfait. Espérons que le sceau du feu nous protège. Cette fois, ça y est. Chef! Commandant! Alors? On aura fini d'ici demain matin, c'est promis. Je vous fais confiance. Je compte sur toi, le moment venu. L'opération commencera au petit jour. On va avoir du pain sur la planche, pas vrai? La lune est avec nous, il faut en profiter. Profitons-en. Hein?
tous à vos postes. Allez! Ah, il est stylé, n'empêche. Hein. Fatiguez-moi cette bestiole. Si vous êtes blessé, repliez-vous vers le camp arrière. Allez, allez. Montre-moi ce que tu vaux. Comment recharger ? Ah oui, bah oui, on prend les flèches. Je bête. Alors, je vais plutôt prendre les canons. Voilà. Oh, oula, il est proche. Tirez. Montez. Ils ont détruit le canon ici. Trois canons. Tirez. Mais il tire pas en fait, il y a que moi qui tire. Tu vois, il est pas chargé, merde. On va charger à 5, hein, pour de faire le maximum de dégâts possible. Tu vois ?
Celui-là aussi, il faut que je détruise son point. Bon là, c'est pas trop difficile hein, pour le moment. T'as juste à faire ça. Il y a plus de boulet. Tant pis. Ici c'est mort, il n'y en a plus. Il est temps de l'immobiliser. On passe au harpon. Harpon. Allez, grimpe. Les harpons sont en haut du barrage. Utilise-les avec la baliste dès que possible. En haut du barrage, tout en haut, d'accord. Question c'est comment je grimpe? Comme ça? Non? Ah oui, je vois les corps. Plus vite! Allez, allez, on charge. Dernier canon. Et tirez. Allez, allez. Dois juste en avoir 10 à chaque fois en fait. Je crois que ça va être la dernière salle là. T'inquiète que ce soit bientôt, elle va bientôt être assez faible, cible. Allez, allez.
Voilà, c'est bon. On est sur le Zora, grand-père. On attend tes ordres. Cherchez les cœurs de magma sur sa carapace. Vous pourrez l'affaiblir en attaquant ses points faibles. Attention au magma qui jaillit de ses cœurs. Là, c'est l'un des cœurs. Attaque-le. Aïe aïe aïe. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. C'est censé avoir des minerais sur son corps, comme ça, ouais. Va passer. Merde. Ils sont là limités dans le temps, hein, clairement. On a tout notre temps. Je peux passer. Si on peut avoir le plus de loot possible, je vais pas m'en plaindre. Allez, en haut. Enfin, en bas là. Ouais, bien sûr, je me suis couché là. Encore la cuirasse. Oui, ça va. On a repéré un autre cœur sur la tête du Zora Magdaros. Parfait. Chasseur, dirigez-vous
ouvrir sa tête et attaquer ce cœur comme si votre vie en dépendait. Il est temps de réapprovisionner les chasseurs. Préparez-vous. À vos ordres. Pas vu, attends, tant pis. Casse-toi. Je peux monter sur sa paroi ou... Non. Ah merde, putain. J'arrive. Attends-moi, Mirai. Allez hop. J'ai sauté. Je suis con. Moi, je suis con. Ah, il mine rien. Par là, il faut monter, je crois. Et là on peut monter, ouais, avant, je vais mettre, aiguiser un petit peu ma lame. Voilà. J'ai
J'arrive, mon petit. Je sais pas trop ce qu'il faut faire là, mais bon. Pour l'instant, voilà, quand on avance. Hein. Un Diablos. Ah, oh merde, le Nergi Dante. Et voilà. Allez, en position, vite. On joue. Feu. Dire qu'on va devoir le remonter celui-là. Effrayant, hein. Il est mort ? Apparemment. Ah non. Trop vieux pour tout ça.
Ça aurait été une longue quête celle-ci. Ça charge. Bien, tout le monde est là. Le conseil peut commencer. D'abord, un point sur la situation. Où en sommes-nous ? Nous avons perdu le Zora après le Grand Ravin. Les conditions sont devenues très difficiles. Mais il nous reste encore une chance si on retrouve sa trace de l'autre côté. Justement, l'équipe sur le terrain a de bonnes nouvelles. Les séismes provoqués par le passage du Zora ont créé une fissure. Si on la suit, elle pourrait bien nous permettre de le rattraper. C'est peine perdue. Nous avons épuisé nos réserves lors de la dernière... Même si nous retrouvons le Zora, nous n'aurons tout simplement pas de quoi entreprendre une opération... Alors, que fait-on, commandant ? Commençons par envoyer un navire à la... Un navire ? Mais dans les conditions maritimes et météorologiques... Peu importe. Nous devons informer la guide. Il faut les avertir et attendre leur décision. Plutôt deux fois qu'une. Ça fait un bail que les brisants me font de l'œil. La fissure du Grand Ravin nous a ouvert la voie. Ensemble... Nous affronterons ce qui nous attend de l'autre côté. Chasseurs, mettez-vous en route pour le... que l'étoile de Saphir soit avec vous. Disposez. Ok. Partons en expédition dans le Grand Ravin. Je t'accompagne. Je me demande si... Cloner Gigante était le mob de... De la bêta qui échoue à battre. J'ai de nouveaux articles en stock. Nouveaux articles. Ouais. Ça c'est que des sphères d'armure. Ah, c'est des contrats, ça. Carcasse. Ok. Salutations. Une quête de plus. Hein. Chasser une ration. Ouf. Oh, c'est pas vrai. Ok. On va voir là-haut, puis on va voir la forge. Encore une autre quête. Ah, des œufs de wyvern, elle va être chaude celle-là par contre. Ensuite, par là-bas. On va chercher quoi comme quête ? En mission, j'ai rien pour le moment. En livre, mission 4 étoiles. Ça ne rate pas, non. Bon.
contrat, ok. Manqué. J'ai de nouveaux articles en stock. Toujours pas de nouvelles armes. Nouvelles armures, c'est ça. En os, c'est les armures en os. Ouais. Tout va bien avec ton équipement ? Si j'essaye de forger de nouvelles armes. Enfin, d'améliorer le temps. Partir de la justice. On va faire ça. Hein. Hop. Qu'est-ce que DOS level max? Ok, ok. Ah, j'ai pas regardé pour l'équipement du palico, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas touché. Bon allez, hop. On va les équiper comme ça, hein. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, surtout vous abonner à la chaîne. C'était TheStel, moi j'ai Tiffany HD, passez une bonne journée, une bonne soirée, et les jeux vidéo.